Vous regardez M6 Info. L'hôtel japonais géré par des robots depuis 2015 fait machine arrière. Il s'est séparé de la moitié de ses 250 robots. Incompétent, certains agaçaient la clientèle. Le dinosaure de la réception ne comprenait pas les demandes les plus simples. Quant à l'assistant vocal de chambre, il a réveillé plusieurs clients en pleine nuit, prenant leur ronflement pour des questions. L'hôtel, qui pensait pouvoir se passer d'humains, va devoir embaucher des salariés en chair et en os.